Donc, j'ai fait un article à propos de la revue Présence Mariste qui vient d'être close parce que en France, nous avons du mal à assurer la continuité. Cette revue a une histoire et elle a des ancêtres. Son premier ancêtre, c'est le bulletin de l'œuvre des Juvénat qui commence en 1879. C'est l'époque où les frères Maristes commencent à recruter des jeunes gens d'environ 12 ans avant qu'ils ne puissent entrer au noviciat vers 15 ans, voire un peu plus. Et comme ces juvénats coûtent cher, on fait appel à des bienfaiteurs et ce bulletin sert de lien entre les bienfaiteurs et les juvénats. Et donc, jusqu'en, on pourrait dire, 1920, ce bulletin continue. Alors, il connaît vers 1903 des difficultés sur lesquelles je n'ai pas pu avoir des précisions. Et puis, il est rédigé à Grouliascos par la maison mère nouvelle. Et il devient un peu un auxiliaire du bulletin de l'Institut, avec des articles qui se trouvent dans l'une et l'autre revue. Je pense aussi que le contact avec les bienfaiteurs s'est un peu distendu et que la revue change un peu de clientèle. Et la revue cesse en 1920 sans explication. Il est probable que ce changement est une conséquence d'une décision du chapitre général qui formule un souhait de modération quant à l'apostolat par la presse. Et peut-être que on a réduit la voilure à Grouliascos, mais on a confié la revue à la province de Saint-Genis-Laval. Et en 1920, un frère qui s'appelle Germain Godard, qui est à Neuville-sur-Saône, donc près de Lyon, fonde, ou plutôt présente la revue Le Petit Juvéniste comme successeur du bulletin. Et il va développer une revue qui va s'adresser aux bienfaiteurs, mais aussi aux parents, aux frères, aux élèves des établissements, toujours avec l'idée de vocation, mais aussi avec des concours, avec des jeux, des choses telles que, on peut dire, ça s'adresse aussi aux jeunes. C'est une revue plus diverse que la précédente. Alors, cette revue a du mal à vivre. D'abord, elle a un bon succès, elle arrive jusqu'à peu près à 7000 numéros, mais elle a des problèmes financiers et puis le frère Germain Godard vieillit et puis il y a la guerre. Donc, on peut dire qu'en 1945, la revue va assez mal et le successeur du frère Godard, le frère Guillot, eh bien, malgré ses efforts, va devoir l'arrêter en 1950. À ce moment-là, cette revue est reprise par deux frères qui sont toujours à Neuville-sur-Saône et qui fondent la revue Jeunesse et Amitié, très nettement dirigée vers les jeunes. Et l'idée de vocation est existe, mais elle devient seconde par rapport à celle de mission. C'est vraiment une revue pour les jeunes.
Mais après peu d'années, cette tendance à s'occuper seulement des jeunes ne va pas durer parce que la revue fusionne avec la revue Champagnat de la province de l'Ermitage et on fonde Voyage Émission, donc qui en quelque sorte revient à une politique beaucoup plus large. Les parents, les frères, les établissements, et j'en passe. Les jeunes, oui, mais ils ne sont qu'une partie de la clientèle. Alors, la revue, comme toujours, a du mal à vivre, elle a du mal. Il y a peu de gens pour la rédiger. En 1970, eh bien, il est question de l'arrêter. Mais sans qu'on sache bien, il y a un courant d'opposition à cet arrêt et elle repart avec une nouvelle équipe, notamment le frère Pierre Zind, qui écrit sur les traces de Marcellin Champagnat une série d'articles qui ont fait date. Mais. Alors, la revue change également de nom. Elle prend le nom de Présence Mariste. Et en 1983, à nouveau, il est question d'arrêter la revue. Là aussi, les temps ont changé et les provinciaux pensent qu'il faut arrêter. Mais sans grande explication, la revue repart avec un effort pour plus de professionnalisme. Elle est dirigée par des frères éminents qui s'entourent d'une équipe de frères et de laïcs. On s'intéresse beaucoup plus aux communautés éducatives, à la spiritualité. Bon, et j'en passe. Les grandes questions aussi du monde. Et en tout cas, on parvient jusque au XXIe siècle, mais plutôt que d'attendre en quelque sorte que le personnel ne soit plus disponible pour tenir la revue, nous avons préféré l'arrêter pour l'arrêter de manière raisonnée. Donc en fait, nous avons clos très récemment en 2022, avec le numéro 312, une histoire des publications en France depuis plus d'un siècle. Et c'est une revue donc qui mériterait des études détaillées par sa diversité et par ses évolutions multiples quant à la forme et au fond. Merci.